sommes candidats aujourd'hui, c'est parce que nous estimons que le moment est venu de sortir notre commune à Adjamé de l'ornière, de la torpeur, pour que le renouveau s'installe. Et ce renouveau, c'est avec la jeunesse d'Adjamé, c'est avec les femmes d'Adjamé, c'est avec les anciens d'Adjamé. Tout le monde aura sa place. Nous allons révolutionner notre commune. Adjamé doit redevenir Adjamé. Adjamé doit redevenir Adjamé. Et personne ne nous empêchera de réaliser cela. Parce que ce qui compte pour nous, ce qui compte pour nous, c'est de vous servir et non vous servir. Nous voulons vous servir et non vous servir. Vous pouvez compter sur nous. On soit militant du FPI, militant du FDR, militant du PDCI, militant de l'UDPCI, militant du MFA, militant de l'UPSI, militant de la société civile. Tout le monde est important pour nous. Nous serons à votre service. Nous allons vous servir. Nous allons vous aider. Nous allons créer des emplois pour la jeunesse. Nous allons créer des emplois pour les femmes. Nous allons créer des conditions de vie pour nos parents du troisième âge. Personne, je dis bien personne, personne ne sera à rade du système que nous allons installer à Djamé. Vous pouvez nous faire confiance. Nous sommes engagés pour le développement de notre commune. Voilà le sens de notre combat. Donnez-nous le pouvoir pour que nous créions le développement qu'il faut à Djamé. Et c'est cela le plus important. Parce que nous nous sommes rendus compte que les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est un emploi. C'est un emploi. Et nous allons créer des emplois pour vous. Nous allons le faire, croyez-nous. C'est important de le savoir. Et nous n'oublierons personne. Vous allez cesser de servir le thé dans les quartiers. Vous allez aller à l'école pour ceux qui vont encore à l'école. Ceux qui ont besoin de formation post-scolaire, vous aurez la formation idoine parce que nous allons créer les conditions pour cela. Faites-nous confiance et le 13 octobre prochain, sortez comme un seul homme, comme une seule femme, pour aller voter. Allez voter, allez voter, allez voter la ligne.